Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, et oui, je vais donner mon avis sur le parcours du Tour de France et puis ensuite je vous donnerai un petit peu le programme sur la chaîne pour le Tour de France, parce qu'il y aura beaucoup de choses sur la chaîne. On parlera énormément cyclisme en ce mois de juillet, ce qui fait que ça posera peut-être un petit peu de retard, hein, sur certaines vidéos, sur les vidéos sport mécanique par exemple, parce qu'avec le Tour de France, on a la Moto Grand Prix en Allemagne, voilà, il y a aussi la Moto 2, la Moto 3, ça va peut-être un petit peu décaler tout ça, et puis la Formule 1 également, il y aura par exemple le Grand Prix de Silverstone qui tombe pendant ce Tour de France, donc ça sera pas facile de faire les deux, et surtout de faire les deux dans les temps, mais bon, vous en avez l'habitude, hein, des fois je suis un petit peu en retard, normalement la Formule 1 c'est tous les mardis, et puis bon, là, depuis quelques temps c'est le mercredi, parce que voilà, il y a un petit peu la Coupe du Monde également de football, mais qui est en train de se terminer. Et heureusement que ça se termine au moment où commence le Tour de France, parce que sinon je ne sais pas trop comment j'aurais fait. Alors mon avis sur ce parcours du Tour de France, le parcours 2019, c'est un parcours qui est très intéressant je trouve. Déjà parce qu'il y a quand même des étapes pour les sprinteurs, mais contrairement au Giro, où on a eu une semaine quasiment complète pour les sprinteurs, 10 jours, où il ne s'est rien passé, il faut le dire très clairement, on n'a rien eu pendant 10 jours sur le Giro. Là, ça ne sera pas le cas. On va avoir déjà des belles étapes. Je trouve qu'il y a aussi une fin de première semaine qui n'est pas si facile que ça. Avec les étapes, l'étape qui arrivera à Saint-Etienne et l'étape qui arrivera à Brioude, qui sont deux étapes dont on ne parle pas énormément, mais qui sont des étapes où les difficultés, on va dire, sont, c'est pas des gros cols de première catégorie, mais c'est des petites cols sur des routes qui, je pense, ne rendront pas énormément. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours relancer, et ça, c'est très contraignant, parce que c'est des étapes qui sont très usantes, et surtout, c'est des étapes où on peut quand même tenter des choses, parce qu'il y a des côtes qui sont à 15 bandes de l'arrivée, et si on s'entend bien avec d'autres coureurs, pour récupérer du temps qu'on aurait perdu lors des premiers jours, ça peut être intéressant. Ces étapes-là, tenter un coup de loin, c'est des étapes voilà, qui, je pense, vont être animées, surtout que la fin de première semaine, la première journée de repos n'aura pas lieu un lundi, mais un mardi, c'est-à-dire qu'on fera un jour de plus, et ça, physiquement, ça va compter également sur la suite du Tour de France. Première semaine qui ne sera pas facile, un chrono par équipe, déjà, le deuxième jour, chrono à Bruxelles, 28 km. Et puis, une étape à entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar qui sera plutôt vallonnée, où je pense qu'on n'aura pas une échappée qui arrivera à partir. Donc, ce qui fait que voilà, ça va contrôler énormément et que l'équipe qui aura le maillot jaune à ce moment-là, si c'est un leader, risque de souffrir un petit peu. Et puis, bien entendu, l'étape qui fait peur à tout le monde, c'est l'étape qui part de Mulhouse et qui arrive à la planche des Belles-Filles. La sixième étape qui fait peur un petit peu à tout le monde, avec une planche des Belles-Filles qui est agrandie d'un kilomètre par rapport aux années précédentes. Je rappelle que la planche des Belles-Filles, c'est dans un parc protégé. Donc, il n'y a qu'une route, en fait, qu'on a créée pour le Tour de France, hein, qu'on a créée il y a une dizaine d'années pour le Tour de France, et qui, donc, là, a été prolongée d'un kilomètre. Alors, on pourrait dire, un kilomètre, c'est pas grand-chose. Oui, alors, le souci, c'est que déjà, sur la planche des Belles-Filles, le dernier kilomètre, c'est là, on avait le passage à 20%. C'est un dernier kilomètre qui était extrêmement difficile. Mais là, donc, déjà, vous avez ce kilomètre-là qui reste, qui est très difficile, mais qu'en plus, ce dernier kilomètre, désormais, a un passage à 24%. C'est-à-dire, c'est comme si vous assembliez deux fois le mur de 8 d'affilée. C'est comme si vous preniez deux fois le mur de 8 d'affilée. C'est extrêmement difficile. Et là, on risque d'avoir des écarts dès ce jour-là, avec certains leaders qui seront déjà hors jeu, peut-être, de cette étape numéro 6. C'est pour ça que l'étape 8 et que l'étape 9, pour ces leaders qui seraient un petit peu hors jeu ou à 4 minutes déjà à ce moment-là, tenter des échappées à Saint-Etienne et à Brioude, ça peut être intéressant pour reprendre du temps ce jour-là et revenir dans le match. La deuxième semaine, pas simple, la fin de deuxième semaine est vraiment pas simple, les Pyrénées sont vraiment pas simples cette année, je trouve, avec l'étape Bagnères de Bigorre, Peyresoude, où on aura, sur l'étape de Bagnères de Bigorre, voilà, pardon, on aura la montée de Peyresoude, la montée vers la Houquette dans 6 ans, donc une belle densité, une belle grosse étape de montagne. L'étape 4-13, c'est le contre-la-montre du côté de Pau. Donc voilà, après la deuxième étape de montagne, on a un contre-la-montre individuel de 27 km, alors qui n'est pas le plus difficile au monde, mais il y a quand même quelques relances à faire. C'est pas forcément un contre-la-montre que de spécialistes. Et puis on aura l'étape le lendemain, l'étape 14, Tourmalet, l'arrivée au Tourmalet avec le Soulor,
Donc là aussi, c'est difficile. Et puis l'étape 15, où on pense que c'est la fin des Pyrénées, que c'est pas l'étape la plus difficile, sauf qu'on va enchaîner le port de Lers, le mur de Péguerre, avec beaucoup de pourcentage au mur de Péguerre. Et puis on terminera à Foix, Prades, Albi, qui n'est pas la montée la plus difficile, mais on aura fait le mur de Péguerre avant, et il se pourrait que dans le mur de Péguerre, on chope un petit peu des toxines, parce qu'on soit obligé de mettre beaucoup d'intensité en termes de watts, et qu'on ait des difficultés à passer le Prades, Albi derrière, parce qu'on aura un petit peu toxiné à ce moment-là. Dernière semaine, peut-être pas la plus difficile. On a eu des dernières semaines de tour qui étaient plus difficiles, avec quasiment 5 jours de montagne. Là, on n'aura que 3 jours, mais la particularité, c'est qu'on aura 3 jours avec 3 fois plus de 2000 mètres. 3 arrivées au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Alors on commencera avec 3 passages à plus de 2000 mètres à chaque fois. L'étape 18, entre Embrun et Valloire, une bonne mise en jambe, voilà, ça sera un bon début. Alors déjà, on aura eu l'arrivée à Gap hein, pour se réveiller un petit peu les muscles. L'arrivée à Gap, c'est toujours un endroit où il se passe des choses à Gap. On se souvient de la descente, c'est la descente de Lance Armstrong, hein, donc il se passe toujours des choses à Gap. Je rappelle la descente de Lance Armstrong en 2003, année de la canicule, voilà, où Lance Armstrong avait coupé, était passé dans un champ, avait traversé un champ. Et ben, c'est la même descente qu'on va encore prendre lors de la 17e étape, la 18e étape. Donc on revient dessus avec ces 3 dernières étapes, l'étape entre Embrun et Valloire. On aura le col de Vars, le col d'Izoard à 2360 mètres d'altitude. Ensuite, on a Valloire, arrivée en descente. C'est l'une des rares arrivées en descente de ce Tour de France. La descente un petit peu technique en plus, la descente de Valloire. Donc voilà, faire attention. Voilà, il faudra faire attention voilà, dans cette descente qui peut être un petit peu technique. L'étape 19, l'étape qui arrive à Tignes avec le col de l'Iseran. Le sommet le plus haut du Tour de France et quasiment l'un des plus hauts de France. Une montée très très longue. Une journée avec 2 passages à plus de 2000 mètres. Ça en dernière semaine, comme ça, un vendredi de fin de Tour de France. Ça va peser dans les pattes. Et puis ensuite, le lendemain, 130 km avec le cornet de Rosslyn en tout début de journée. Dès le kilomètre 0, le kilomètre 0 est au pied du cornet de Rosslyn. On redescend. On aura une côte de deuxième catégorie, puis on redescend de nouveau, et puis là ensuite, les 30 derniers kilomètres, c'est Val Thorens, 2360 mètres d'altitude. C'est pas très pentu Val Thorens, on va dire c'est plutôt très régulier, mais c'est la longueur qui va faire la difficulté avec un effort qui va durer quasiment une heure. Avant-dernier jour de Tour de France, on aura déjà fait quasiment 3000 bornes. Ça va faire très très mal. Si des coureurs commencent à manquer un petit peu de fraîcheur dans cette fin de Tour de France, ça va être difficile pour eux avec cette montée. Et puis bien entendu, dernier jour, arriver aux Champs-Élysées. Arriver aux Champs-Élysées, on arrivera de nuit, enfin quasiment de nuit, hein. Arriver prévu vers 21h30, donc un peu plus tard que les années précédentes. Le transfert en plus entre Cornet de Rosslyn et du côté des Yvelines pour cette dernière étape risque d'être un petit peu difficile avec une traversée du côté de cette dernière étape. On passera par ici les Moulineaux, Meudon, on passe par Meudon, ici les Moulineaux, et puis ensuite arriver dans Paris, traversée du Louvre, ce qui commence à devenir un classique, et puis le parcours avec le tour de la place de l'Étoile, ce qui est désormais le cas depuis là aussi 5-6 ans, depuis le centenaire du Tour de France. Enfin, depuis la 100e édition, pas le centenaire, il remonte déjà à quelques années. Alors, quel est le coureur idéal pour gagner ce Tour de France? Moi, je pense que c'est un coureur qui n'est pas forcément un spécialiste du contre-la-montre. Parce que au final, en chrono, pour moi, si on est très mauvais, hein, il faut être très mauvais, hein, dans le temps que je vais prendre en compte, sur le chrono de Pau, on perd 3 minutes, parce que tu comptes à peu près 1 minute tous les 10 km pour un coureur qui est très mauvais. Voilà, tu perds 3 minutes, 3,15. Donc je pense qu'on n'aura pas des écarts plus importants. S'il y avait 4 minutes, ça m'étonnerait énormément. Le coureur qui a 4 minutes, c'est qu'il n'a pas fait le contre-la-montre à fond. Je pense que 3 minutes. Donc voilà, 3 minutes, c'est récupérable. Et puis sur le chrono par équipe, si on a vraiment des soucis et qu'on fait vraiment un mauvais chrono et qu'on a une mauvaise équipe, là encore, on peut partir sur un écart de 3 minutes, 3,15. Donc au final, pour moi, l'écart maximum que vont se prendre les coureurs qui ne sont pas spécialistes, c'est entre 6 minutes et 6 minutes 30.
c'est récupérable. 6 minutes, 6 minutes 30. Hein. Déjà parce que on a des longues montées. L'Iseran, c'est très long. Val Thorens, c'est très long. Izoard, c'est des longues montées. Donc, c'est des montées où on peut partir de loin pour tenter de récupérer du temps. Qui a des étapes intermédiaires. Par exemple, si on était après la planche des belles filles, admettons, un coureur comme Nibali se retrouve à 6 minutes, 7 minutes au général. Eh bien, ça veut dire qu'il peut partir en échappée sur l'étape de Saint-Etienne, sur l'étape de Brioude, qui sont des étapes où, pour moi, les échappées peuvent aller au bout. Et dans ce cas-là, il peut reprendre 3, 4 minutes à ce moment-là, si l'équipe qui contrôle ne fait pas très bien attention à Nibali, par exemple. Et dans ce cas-là, un Nibali ou à n'importe quel autre coureur qui aurait perdu du temps ses premiers jours, bah, reviendrait dans le match. Et comme, après l'étape de Brioude, on a 2-3 jours comme ça, vraiment de plat, eh bien ça permet de reprendre la main un petit peu au niveau du général, et de se refaire la cerise, et puis pourquoi pas, après à Bagnères de Bigorre, eh bien d'être avec de nouveau les leaders, alors qu'on n'était pas avec les leaders lors de la première semaine. Donc pour moi, c'est un tour qui peut convenir aux grimpeurs, et ça se voit bien entendu dans les coureurs qui participent à ce Tour de France. Pour moi, il faut déjà être un très bon grimpeur. Un coureur de contre-la-montre, un coureur qui n'est pas trop mauvais dans le contre-la-montre, aura du mal à s'en sortir. Pour moi, c'est un Tour de France qui n'aurait pas convenu à Tom Dumoulin, parce que la montagne est vraiment très très dure. Après, il faut aussi des coureurs qui sont capables, qui ont quand même quelques facultés en contre-la-montre, qui ont surtout des facultés à tenir un rythme, à tenir des watts pendant très très longtemps, un rythme au niveau des watts, parce que les montées vont être très très longues. C'est vrai que Val Thorens, c'est pas très dur, on va dire, il n'y a pas d'énormes pourcentages, donc ça ne convient pas forcément à des coureurs qui ont un punch exceptionnel, qui sont capables de placer des grosses attaques, mais ça peut convenir à des coureurs qui sont capables de garder un rythme dans une montée de manière très linéaire pendant très très longtemps et d'imposer un vrai rythme. Et donc, et je pense que ça va aussi convenir à des coureurs colombiens qui aiment l'altitude, parce qu'on aura énormément de passages à plus de 2000 mètres, trois arrivées à plus de 2000 mètres, mais il faut savoir que Izoard n'est pas l'arrivée de l'étape, que l'Iseran n'est pas l'arrivée de l'étape, ça sera Tignes, et l'Iseran c'est 2700 mètres, l'Izoard c'est 2300 mètres, beaucoup de passages à plus de 1800 mètres. Donc les coureurs qui n'aiment pas l'altitude, bah là forcément ça va être difficile pour eux. Mais voilà, il faudra aimer l'altitude. Je pense que beaucoup de coureurs ont fait même des stages en haute altitude pour préparer ce Tour de France. Alors pour les Français, est-ce que c'est le parcours idéal? Moi je dirais que c'est quand même un parcours qui convient mieux que les années précédentes. De contre-la-montre déjà simplement, on sait que ça a toujours été notre défaut. Moi je pense que c'est un parcours qui convient excellemment bien à Thibaut Pinot. Pourquoi? Parce que sur le chrono par équipe, il a des coureurs qui peuvent l'aider, comme Stephen Kung. Dans ce cas-là, pour moi, il va perdre une minute. Une 30, pour moi, c'est déjà une contre-performance pour lui. Sur le chrono individuel, de 30 km, pour moi, il va perdre une 30. 2 minutes serait également une contre-performance. C'est-à-dire que lui, il va se retrouver à 3 minutes, à 3.15, normalement. Surtout, est-ce qu'il aura pas repris un petit peu de temps sur la planche des belles filles? Donc, pour moi, il sera dans le match pour aller chercher un top 5, voire mieux. Du côté de Romain Bardet, bon, le contre-la-montre par équipe ne va pas être facile pour lui, le contre-la-montre individuel aussi. Donc moi, je pense que ça fait partie des coureurs qui vont perdre 5-6 minutes. Par contre, il a des possibilités sur l'étape 8, sur l'étape 9 de récupérer du temps. Et puis pourquoi pas de partir de loin sur l'étape 12. Avec Perresoud, là, ok, dans 6 ans, on peut partir de loin. Tenter des coups de loin de la part de Bardet. Après, c'est vrai que sur le Dauphiné, on l'a vu, il n'était peut-être pas en très très grande forme. Mais je pense que c'est un parcours qui convient mieux aux Français que les années précédentes où il y avait beaucoup de contre-la-montre sur le Tour de France. Est-ce qu'on aura du spectacle? Ça, c'est la dernière question pour finir un petit peu. Eh bien, je pense que oui. Je pense qu'on aura du spectacle. Déjà, on va pas s'ennuyer la première semaine. Contrairement au Giro, c'est vrai qu'on s'est un petit peu ennuyé parce qu'il y a la planche des belles filles. Parce qu'il y a l'étape également de Saint-Dié-des-Vosges-Colmar où si des coureurs étaient un petit peu en difficulté, des leaders, on pourrait avoir des tentatives d'alliance entre plusieurs équipes. Et puis ensuite, les étapes de montagne, pour moi, ont été bien conçues. Il n'y a pas qu'une seule montée, donc forcément, c'est des courses qui se feront à l'usure. Il y a quand même une arrivée en descente. Il n'y en a qu'une cette année, il n'y en a pas 150. Et puis des fois, par exemple, sur l'étape de l'Iseran, c'est pas la montée la plus difficile qu'on a à la fin. Le Prat d'Albi également, c'est pas la montée la plus difficile où il y a le plus de pourcentage qu'on a à la fin. Donc ça va forcément obligé de tenter des stratégies de course un peu étonnantes si on veut faire des écarts sur ces étapes-là. Donc, pour moi, il n'y aura pas de grands écarts
même en dernière semaine. Je pense pas qu'un coureur écrase la course totalement, à part si il est en très très grande forme. Donc pour moi, on aura du spectacle sur ce Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc on est parti pour toute cette séquence Tour de France. On va faire très bientôt, peut-être demain ou peut-être même dans l'après-midi, je ne sais pas comment ça va être uploadé, donc faut pas que vous hésitiez à vous abonner pour tout savoir sur la chaîne. On va parler des coureurs, les leaders du côté du sprint et du côté du général. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mavic Production. Ciao ciao.